Bienvenue sur l'émission 1, 2, 3 Maigrir. Sophie Monneret, coach de vie, fondatrice de Fixolight et créatrice du programme Évolution Minceur. Avec beaucoup d'honnêteté avec vous-même, sur quoi vous êtes-vous focalisé la dernière fois que vous avez décidé d'abandonner l'objectif qui vous tient le plus à cœur, vous libérer de vos kilos? Il y a de fortes chances que vous vous soyez focalisé sur vos échecs, sur tout ce que vous n'avez pas réussi à faire, sur tout ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Je me trompe? J'imagine que vous aviez pensé faire plein de choses pour enclencher votre processus d'allègement, que vous étiez même motivé. Et déception, vous pensez n'avoir rien réussi à faire correctement. Je dis bien vous pensez n'avoir rien réussi, car vous avez très probablement réussi à faire certaines choses, mais vous ne les voyez pas, tellement vous êtes obnubilé par vos échecs, par ce que vous n'avez pas réussi à faire correctement. La meilleure façon d'anéantir tous vos espoirs de réussite, la meilleure façon d'abandonner rapidement votre challenge d'allègement, c'est bien de vous focaliser sur tout ce qui n'a pas marché, sur vos défaites. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Continuez à vous focaliser sur vos défaites et vous récolterez la défaite. C'est fou comme le mental a l'art de faire focus sur tout ce qui ne marche pas. Observez comment la société fonctionne. Nous avons l'art de facilement voir tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas dans notre pays. Et nous portons très peu d'attention à tout ce qui va bien, à tout ce qui se met en place pour améliorer la qualité de vie de chacun. Observez à quel point vous êtes rapidement plombé lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme vous l'auriez souhaité, ou même lorsque quelqu'un vous fait une remarque désobligeante alors que vous attendiez un peu plus de bienveillance. J'imagine que comme la plupart des personnes, vous allez rapidement généraliser à partir d'un événement unique. C'est-à-dire que j'imagine que vous allez rapidement conclure que si quelque chose n'a pas marché, rien ne marche. Que si une personne vous fait une réflexion désobligeante, elle ne vous aime pas, voire personne ne vous aime. Prenez conscience à quel point vous avez l'art de vous focaliser sur le négatif. Ce sur quoi on se focalise, on l'amplifie. À partir de maintenant, si vous voulez réussir à maigrir durablement, focalisez-vous sur vos victoires, aussi petites soient-elles. C'est la meilleure stratégie pour réussir. Si vous commencez à vous focaliser sur vos victoires, vous allez vous sentir mieux et cela vous encouragera à poursuivre vos actions. Apprenez à vous faire du bien. Apprenez à vous encourager jour après jour en vous focalisant sur vos victoires. Personne ne peut poursuivre un challenge s'il se focalise uniquement sur ses défaites. Personne. Ceux qui réussissent leur challenge d'allègement se focalisent jour après jour sur leur victoire, aussi petite soit-elle. Chaque jour, je vous encourage à faire un point sur votre journée et à prendre le temps de chercher au moins une petite victoire, aussi petite soit-elle. Je vous encourage à le faire au moment de vous coucher pour que vous puissiez vous endormir avec un esprit positif. Votre esprit du matin en sera bien meilleur. Focalisez-vous sur vos victoires quotidiennes, aussi petites soient-elles, et non sur vos défaites. Quelle serait la victoire du jour, aussi petite soit-elle, ou la victoire d'hier? Avec beaucoup de bienveillance et de vous-même, cherchez bien. Il y en a au moins une qui demande votre attention. On se retrouve sur la prochaine émission 1, 2, 3 Maigrir pour de nouvelles clés minceurs. À très vite.